Et nous prenons la direction de la Creuse où nous avons téléphone Jérémy Vidal qui est coprésident de l'Association des communs. Association des communs, moi je trouve que ça résonne bien avec Ensemble c'est mieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Delphine. Alors il faut nous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi vous avez créé cette Association des communs ? Alors, d'abord parce que en fait, en arrivant à Guéret, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une dynamique de création d'espaces de lien social, mais qui était encore naissante et on voulait la suivre et l'impulser encore plus, créer des lieux où les gens puissent se rencontrer de toute génération, de toute culture, et voilà, créer des espaces de rencontre, cette transmission de connaissances, de savoir-faire autour justement de la question des biens communs, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun, qu'il soit matériel ou immatériel, donc voilà, d'un savoir-faire particulier à la réappropriation des espaces publics en ville. Et voilà, on s'est dit que ça valait le coup de créer une nouvelle association pour impulser tout ça. Résultat, vous avez plusieurs champs d'intervention, expliquez-nous. Exactement, on a deux pôles principaux. Le premier qui s'appelle le Jardin des communs, qui est donc un jardin partagé en centre-ville de Guéret, où il y aura une soixantaine de parcelles ouvertes à tous. L'idée étant encore une fois voilà, de générer un maximum de mixité sociale, interculturelle, intergénérationnelle, et d'apprendre et de partager ensemble et de valoriser les savoir-faire des uns et des autres, tout en créant des produits de qualité localement et bio en plus. Le deuxième pôle, on appelle ça l'atelier des communs, c'est en quelque sorte une sorte de bibliothèque des savoir-faire, où on va essayer de mettre en relation des gens qui savent faire quelque chose et qui ont envie de transmettre quelque chose, et en face, trouver des personnes qui sont prêtes à partager sur des petites sessions de formation ou d'atelier en tout cas, pour créer toujours plus de liens, toujours plus d'échanges et plus d'autonomie chez les habitants, que chacun apprenne à être plus indépendant, plus autonome, plus résilient. Alors, une question, où est-ce qu'on vous trouve ? Ah, on nous trouve d'abord par mail, donc association des communs au pluriel @gmail.com, et sinon on a deux pages Facebook, une pour le jardin qui s'appelle Jardin des communs et une pour l'association Association des communs. Eh bien merci beaucoup Jérémy et bravo pour ce que vous faites. Ensemble c'est mieux, merci encore une fois. Merci. Au revoir.